Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 10h30. On a un rendez-vous chez le gynécologue. Tu sais que toute ma vie j'ai dit gynécologue et en fait c'est gynécologue. J-Y. Ça a plu là. On a rendez-vous chez le gynéco du coup. Mais c'est trop bizarre de dire gynéco, c'est moche. Enfin bref. Parce que il doit checker les dernières prises de sang que j'ai faites et accessoirement checker si le bébé va bien et tout machin. Donc du coup je vous emmène avec moi dans cette petite journée très sympathique sous la pluie de Paris. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire, c'est le dernier rendez-vous que j'ai avec ce gynécologue là parce que c'est une personne qui travaille, pour ceux qui sont de Paris vous devez connaître, avec l'hôpital américain. Comme on compte déménager, il y a peu de chances que j'accouche à l'hôpital américain, même si de base c'était plausible, on va dire, on y avait réfléchi un peu. Mais donc du coup il ne peut pas me suivre jusqu'à la fin et de toute façon si on déménage il va falloir que je... Et où il va et sa carriole? C'est le chien. Hein? Il met le chien devant. Non mais il y a que des fous, il y a que des chiens touchés. Donc ouais, de toute façon si on déménage il va falloir que je trouve un gynéco dans le sud. Donc voilà, enfin bref, c'est pour commencer le vlog. Mais bébé, t'es contente d'avoir notre bébé? Résumé du vlog, on dit gynéco au lieu de gynéco. Voilà, on va l'appeler comme ça le vlog. On dit gynéco et pas gynéco. Bref. Tape gynéco. Je sais pas pourquoi. Mais ah non, dit... ah non hein. Au Paris ce matin. Il faut être, en fait je te jure, il faut avoir des armes à feu ici. Pour conduire je crois. Genre dès qu'il y a un mec qui vient, tu tires dessus dans les pneus ou quoi. C'est pas normal, ça. Regarde, regarde. Jimmy n'a pas l'habitude de conduire à Paris. Quoi qu'il, voilà, on va voir notre bébé, moi je suis trop contente. Ça fait... En vrai ça fait pas si longtemps que ça. Whatever. J'espère qu'il va être calé dans le ventre, il va être comme ça. Non c'est possible. Non. Non je pense pas. Genre il se met comme ça. Bah j'espère pas. Non, bah quand même. Si, ça passe. J'ai très très mal au dos depuis 2 jours, c'est un enfer. Genre là je suis pas bien, genre j'ai mal au dos. Enfin bref, bah écoutez, on vous retrouvera quand on sera là-bas en espérant qu'on puisse filmer. La dernière fois on avait pu filmer là comme c'est un autre médecin, je ne sais pas. Mais bah voilà. Bon, on n'a pas pu filmer, mais du coup il nous a fait des petites photos souvenirs. Désolé, vous n'avez pas le droit de filmer. Sa zone au calme dans le ventre. Il nous a aussi donné cette photo où il fait un coucou au... Regardez sa main, son bras et sa main là. Et là sa zone, Jimmy dit que c'est le Mexique. Et tout va très bien en soi. Donc trop content. Et là on va... Où est-ce qu'on va bébé? On va prendre le coussin d'allaitement là. Jim il est plus content que moi d'aller acheter ça. Tu vas en acheter un pour toi aussi? Ouais, ouais. Il y a tout le monde qui m'a dit que c'était top. Hein, du coup, ouais, apparemment c'est la folie. Donc non, tout va bien. Là, le seul petit souci qu'on a, c'est que du coup, comme on est censé déménager, là on est censé être déjà inscrit à la maternité. Et ce n'est pas le cas vu que... Bah, on est en train de chercher un appart, enfin une maison dans le sud. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un peu la merde. Mais à part ça, tout va parfaitement bien. Donc ça, c'est trop cool. Vas-y, et c'était trop stylé de le voir là bouger et tout. Il bouge beaucoup de ouf. Genre vraiment, c'est il y a des cours de Zumba là-dedans. Enfin bref, donc ouais, on va aller... Non mais il faut ralentir vu. Ah c'est le Sahara. Ouais, on va chez Aubert pour essayer de trouver un coussin d'allaitement parce que mon dos me fait très très mal et la nuit ça commence à être un petit peu chiant. Et puis tout le monde sur Insta m'a dit que c'était genre trop bien et tout. Alors là vraiment, ce genre de magasin les gars, j'ai très rarement mis les pieds, mais sa pro m'a dit mais en train de chercher une place. Donc en attendant, je vais faire un tour moi. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Oh non, mais ça, on est d'accord. C'est un indispensable. Sophie, la girafe, même moi, je l'ai eu. Bon, pas comme ça, pas en doudou, genre. Mais je suis un peu paumée. Et d'un autre côté, on a envie d'acheter trop de trucs. Et de l'autre côté, on se dit non, on attend, nanani. Je vais pas remettre le truc. Enfin bref, je vais essayer de trouver les coussins allaitement parce que ça a pas l'air d'être là où je suis. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai entendu grave des bons avis sur cette marque là et bon après c'est à peu près tous le même prix donc
Je pense qu'on va prendre celui-là. Bon, on dirait pas, mais j'ai dormi une grosse, grosse partie de la journée. On est allé déjeuner chez ma maman juste après être rentrée donc de Aubert. Donc on a déjeuné là-bas, on est rentré vers 15h30. Et de 15h45 à 18h facile, parce qu'à 18h40, mais ça fait un bon 40 minutes, une heure que je suis réveillée. En plus je vous montrerai, mais direct quand je suis arrivée, j'ai déballé le coussin d'allaitement et je me suis endormie dessus pendant ma sieste. Donc voilà, et j'ai fini dans mon lit après parce que le canapé est pas ultra confortable. Là j'ai un peu de taf parce que j'ai des... 2-3-4 des story preview à faire. Ça arrive qu'il y ait des marques avec qui je travaille qui valident les stories avant. Après quand c'est des marques avec qui je travaille tout le temps, ils valident plus, ils me font confiance. Mais c'est vrai que quand c'est la première fois, généralement la marque aime bien valider avant. Donc je vais faire ça. Je suis un peu essoufflée, désolée les gars, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Et ensuite il va falloir que je réfléchisse à ce que on va manger ce soir. J'ai un peu faim et je sais pas du tout ce qu'on va manger. Enfin bref, quoi qu'il, pour l'instant je vais faire ça. C'est pour vous tenir un petit peu au courant. Mais ouais, généralement en ce moment l'après-midi je dors. Et c'est plus fort que moi, genre j'ai pas spécialement envie. J'ai pas envie de dormir. Je sais que je suis fatiguée et tout, mais j'ai pas envie de dormir. Genre si je pouvais lutter contre cette fatigue, je le ferais. Mais littéralement je ne peux pas. C'est à dire que mes yeux vont se fermer et pouf, je me réveille 2 heures après et je sais plus où je suis. Et souvent parfois je me réveille mal de crâne, pas bien, tête lourde et tout, genre la sieste qui est pas du tout agréable quand je te réveille. Mais voilà, c'est comme ça. Donc bah écoutez, à toutes. Dis-moi le coussin, on l'a acheté pour moi ou pour toi? Bah les deux. Mimi. C'est pour... Normalement c'est pour toi. La semaine et moi le week-end. Ah, je crois pas, non. J'ai le hockey. Arrête de te donner ma gueule. Je suis sûr que tu t'en... C'est bien là. Est-ce que c'est pas mal? C'est pas mal. J'ai le ok, Mimi, se fout de moi, il est méchant. Rends-moi mon coussin. Non. Allez. Même Mia te le dit. On t'a dit quoi, toi? Jim, il a mangé un bon gros tacos. Et moi, je mange des pâtes à tomates avec de la courgette. Exactement le même plat qu'hier, mais il m'en restait. Donc, du coup, voilà. Trois fois ça va. Bon kiwi ça. Mais bon. Non, voilà, je perds 2-1 avant la mi-temps, mais tu fais comment dans ce match? Putain de merde, voilà. Merde. Les gens ils vont penser que tu parles vraiment comme ça devant le foot. Hein? Les gens ils vont vraiment penser que tu parles comme j'ai ça. Plus bien, en plus, toi. Mais oui. Merde. Sous de la gueule d'un pote à lui. Et moi je vais me caler là, ouais, devant. Avec son vlog. Balance ton poste. Non mais sérieux. Mais ouais. C'est pas normiche. Ben non. Ça va aller tranquillement se mettre au lit devant je sais pas quoi encore avec mon nouveau copain. Voilà, je pense que lui et moi on va devenir inséparables. Mon Mimi, t'es déjà dans ton dodo toi aussi? Oh tiens. Pour ceux qui m'ont posé la question, genre Mia elle est pas différente avec moi, mais par contre elle est devenue très 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 relou. Très protectrice, elle aboie tout le temps. Dès qu'il y a un petit bruit ou qu'on s'approche de Jim ou de moi, elle est pas très contente. Mais bon, c'est que de l'amour ça. T'as pété les plombs, tu descends. Non, tu descends. Clairement, ça fait des coups. Viens là. Tiens, check. Le check. Non, le check. Check. Tape la main. Donne-moi la main. Donne-moi la patte. Non, faut dire check. Donne-moi la patte. Non, dans l'autre sens, ta main. Ah non. Ah non, non, non. Elle t'a éternué là-dessus. Donne-moi la patte. Ah, c'est bien, mon cœur. Donne-moi la patte. Voilà, donne-moi l'autre patte. L'autre patte, l'autre patte. Il n'a pas trop envie. L'autre patte, t'as dit. Non, l'autre patte, mon cœur. C'est non. Bien ma vie. Les gars, je continue ce vlog le lendemain. Là, il est 10h. Je vais me nettoyer le visage tranquille, me préparer, brosser mes dents et tout. Après, on a pas mal de taf. Et j'ai mis mon appareil photo sur le truc des cotons. Il est tellement bien calé. J'ai pas trop envie de l'enlever. Ça fait quelques temps que j'ai reçu des produits de la marque June. Et je sais pas si c'est une marque que vous connaissez. C'est vrai que moi je la connaissais surtout pour les... comment dire? Pour les couches, pour les bébés. Et en fait il s'avère qu'ils ont d'autres produits, notamment
des produits pour le visage qui m'ont proposé de tester et donc bah, je suis en collaboration avec eux sur ces produits là non seulement pour vous en parler parce que vous allez être choqués je pense et en plus bah, pour vous proposer un code promo trop cool si jamais par la suite vous voulez vous même essayer ces trois produits là. Donc là juste je me démaquille un peu mieux parce que je ne sais pas me démaquiller genre le soir même si j'utilise 2-3 cotons. Il m'en reste toujours, donc bah, le matin, avant de nettoyer la peau bien et tout, je passe... Oh, Mia, vous voyez, c'est ça tout le temps. Ce que je vous disais hier, quand je disais qu'elle était devenue un peu chiante, c'est ça en fait, et qu'elle entend un bruit dans le couloir. Bah oui, bébé, mais il n'y a rien. Enfin bref, donc je me redémaquille bien le matin, quoi. Et donc j'utilise cette gelée démaquillante. Donc déjà, les packagings sont beaucoup trop beaux. Ils sont en vert, ils sont hyper quali. Je vous mettrai des captures d'écran dès que j'ai reçu, en fait c'est Aurore qui m'a donné ce comment dire ce toc un peu dès que je reçois des nouveaux produits je les scanne vous savez sur l'application Yuka et en plus de ça Jun déjà de base ils prônent la transparence de leurs produits que ce soit les ingrédients ou la fabrication et vous pouvez scanner un QR code et avoir accès à toutes les informations concernant le produit de manière hyper transparente. Et alors j'étais choquée parce que du coup j'ai reçu donc le démaquillant, j'ai reçu le gel nettoyant et la crème hydratante et je les ai scannés sur le cas, je vais vous mettre les captures d'écran, les trois produits sont à 100%. J'ai jamais vu ça, genre j'ai scanné beaucoup de produits, souvent il y a de très bons produits, mais alors 100 sur 100, jamais. Vraiment c'est des produits qui sont, enfin il n'y a rien à redire dessus, clairement, je me lavais mains juste. Ouais il n'y a rien à redire dessus, ils ont une qualité incroyable et donc voilà c'est ça dont je vous parlais. Vous voyez il y a un petit QR code là, vous pouvez le prendre en photo et vous avez accès à toutes les infos, donc trop bien. Là je rigole d'avance parce que c'est un mot que j'arrive pas à dire, là je vais me concentrer donc peut-être que je vais essayer de dire correctement. Mais quand ils sortent d'un coup généralement ils ne sortent pas correctement et ma cousine adore se foutre de ma gueule. La gelée démaquillante est à base d'aloe vera, c'est comme ça qu'on dit aloe vera et je crois que de base je dis aloe vera, bref je sais pas, il sort jamais correctement quand je dis. Bref donc très très bien, elle est hyper douce, c'est hyper agréable donc vraiment rien à dire. Et ensuite du coup il y a le gel démaquillant qui est à l'hibiscus blanc, hop, et ça pareil c'est hyper agréable, ça sent très bon, c'est tout doux sur le visage, enfin vraiment rien à dire, ça agresse pas du tout, surtout que moi en ce moment j'ai la peau super sensible, j'ai déjà de base j'ai des rougeurs mais là c'est encore pire depuis que je suis enceinte, en plus j'ai des boutons et tout, enfin bref catastrophe quoi. Et ensuite pour parfaire tout ça vous avez donc la crème hydratante qui est dans un assez grand format pour le coup et que j'aime beaucoup. Donc pareil sans alcool vous avez de l'huile de cranberry dedans qui a vraiment des propriétés hydratantes et antioxydantes donc vraiment top. Mais vraiment n'hésitez pas si jamais vous achetez des produits ou quoi ou même allez faire un tour sur leur site. Vous avez toutes les infos concernant les produits mais vraiment voilà tout est écrit à 100% d'origine naturelle. C'est compatible avec la grossesse parce que c'est vrai qu'il y a certains produits quand vous êtes enceinte, il vaut mieux les éviter s'ils sont à base de certaines vitamines ou des choses comme ça. Bref, je sais qu'il y a des produits qu'il vaut mieux éviter, mais ça je sais que je peux y aller les yeux fermés et que ça n'aura aucun impact sur moi. En tout cas voilà, si ça vous intéresse de tester cette routine là qui est quasiment à 100% d'ingrédients naturels sur chaque produit, et ben j'ai un code promo pour vous qui est le code CindyJune qui vous donne moins 15% uniquement sur ces produits là et hors coffret. Donc voilà, vous pouvez les acheter de manière individuelle avec moins 15%, donc c'est top. Et voilà, et en fait avant de me brosser les dents, je vais quand même aller boire un truc, je vais aller boire un café, manger un truc, parce que bon, j'ai un chouette à faim. Et en plus je suis trop trop contente que June m'avait envoyé l'huile de vergeture et le lait qui va avec. Bah pareil, c'est des très bons produits. Je les ai pas scannés parce que du coup, genre confiance totale, mais genre 100% quoi. Donc bon, voilà, je pense que mon bidou va adorer et au moins... Je prends mes précautions pour les vergetures, c'est pas mal. Oh les gars, je vous ai pas montré, je vous ai montré sur Insta, regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce petit frigo, regardez, c'est trop mignon pour mettre tous mes petits produits de beauté qui ont besoin d'être mis au frais ou que j'aime bien appliquer, genre surtout les sérums, il y en a beaucoup en bas. Les soins pour les cheveux qu'on préconise de mettre, oula pardon, qu'on préconise de mettre au frais. Donc je le trouve trop mignon, je l'ai pas payé cher en plus, je crois que je l'ai payé genre 60€. Il est trop trop beau, j'aime trop. C'est l'heure du coup de se faire un petit café les gars. J'en bois beaucoup moins, mais là j'avais envie.
Franchement, vous savez pas à quel point je me sens tellement mieux le matin. Il y a encore 2 semaines, c'était horrible. Le matin, j'étais incapable de... Enfin, je pouvais rien faire. Même faire un café, me laver le visage et tout. J'étais automatiquement morte et je retournais me coucher. Et là, je suis trop bien. Et franchement, ça fait trop plaisir. Mimi, on dort un peu moins, nous, en ce moment. Oh, mon bébé. Oui. Ma vie. Ça fait trop du bien de se ressentir un peu soi-même, de pouvoir faire des trucs qu'on avait l'habitude de faire et qui sont pas des trucs de fou quoi. Donc trop contente. Les gars, vous voyez ces bougies là qu'on voit partout sur l'internet, je les ai pris aussi en rose. Sachez que au lieu de les payer 30 balles, je sais pas où. Ouais, ça craint un peu. Jure-le. Jure. Et ma casquette? Non, ça va, vas-y, montre. Attends, juste, je peux finir. Ouais, mais d'abord, ouais, ok. Attendez, alors du coup, au lieu de les payer une blinde, bah, elles sont à 3 euros, quasiment 4 euros sur SauceCrèmeGrain, les deux. Jim. Comme ça, Angie, les chaussettes. Mais non, tu vas pas sortir comme ça. Ah ouais? Bah non, t'as pas de pantalon. Ouais, mais c'est mieux. Non. Bref, elles sont trop pas chères sur SauceCrèmeGrain, donc voilà. Et je vais les mettre. Oh, il y a encore un livreur bébé. Et je vais les mettre ici. J'ai remplacé celles-là qui sont pas très belles. Regardez comment elles sont trop belles. Elles sont trop jolies. Bébé, regarde mes bougies. Elles sont belles? Non, mais c'est celles que tu as commandées là? Mais ouais. Oh ah non, mais elles sont trop belles par contre. Ah non. Tu vois, mais on peut les toucher et tout? Non, on touche pas. Oh, dommage parce qu'elles sont magnifiques. Waouh. Bon, là j'ai tout rangé, mais on vient de faire tous les paquets qui partent là pour café au lait. Donc, comme ça, au moins on les dépose à la poste et c'est bon. Hein, Mimi? On a bien travaillé. Ça zone complètement à la Défense, ça a changé les dates au resto. On a pris Chipotle, Mimi, et on mange par terre sur des escaliers. Nounou.